Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir comment comprendre les hommes, parce que c'est une question que les hommes se posent et que les femmes se posent davantage évidemment. Mais dans cette vidéo, j'aimerais parler de 20 principes, 20 réflexions autour de la compréhension des hommes qui est extrêmement importante pour pouvoir se lancer dans une relation amoureuse ou en tout cas continuer dans une relation quand on est dans ce cas-là. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le point numéro 19 va te permettre de découvrir des choses qui vont te faire certainement énormément avancer. Donc ne loupe pas ce moment. La première composante pour comprendre les hommes, c'est d'abord à être un peu égoïste et de se respecter, le respect de soi. C'est une valeur qui est très importante pour comprendre les hommes, mais également les femmes. C'est se respecter soi-même sur qu'est-ce que j'attends vraiment d'une relation, qu'est-ce que j'attends de toutes les composantes d'une relation, et est-ce que la relation que je vis est en accord avec ce que j'attends personnellement, de façon égoïste. C'est rarement expliqué comme ça, mais c'est une chose vraiment importante, que vous n'avez qu'une vie, la vie passe très vite, le temps passe de façon exagérément rapide et vous n'avez pas de temps à perdre avec des compromis qui sont même pas des compromis mais des choses que vous ne réfléchissez pas et que vous faites alors que vous ne voulez absolument pas faire. Donc le respect de vous, c'est la priorité, la pierre angulaire pour comprendre les hommes ou les femmes, c'est d'abord de se respecter. Deuxième point, c'est surtout pour comprendre les hommes, comprendre le principe de la peur de l'engagement. C'est un principe qui est extrêmement important et qui est, on va dire, pas bilatéral dans la relation qu'il peut y avoir homme-femme, mais qui est unilatéral dans le sens où, pour vous, les femmes, très généralement, vous n'avez jamais trop eu l'habitude d'aller chasser des hommes, d'aller chercher des garçons, parce que les hommes, c'est eux qui viennent vous draguer, vous séduire, et donc vous n'avez pas cette habitude de l'engagement. Vous n'avez qu'à choisir de vous engager ou pas, d'une certaine manière. C'est un peu, il y a plus de nuances, évidemment, dans ce que vous pouvez choisir, mais c'est beaucoup plus orienté sur votre décision. Alors que les hommes, ils ont, à un moment donné, cette compréhension qu'ils ont beaucoup chassé pour pouvoir rencontrer la personne que vous êtes, et à un moment donné, ils doivent passer dans cet engagement où ils vont arrêter de chasser pour s'engager. Et s'ils avaient la mauvaise volonté, le mauvais pourquoi ils cherchaient une relation, ça va être difficile pour eux de s'engager parce qu'ils ne seront pas au clair avec le fait d'accepter qu'au long de leur vie, la séduction, ce sera que ça, le temps de chasse qu'ils auront eu, et qu'ils ne seront pas été préparés à ça, et donc ils vont perdre cet fameux engagement. Pour cela, l'une des stratégies très simples, c'est de lui laisser du temps, de vous laisser du temps également pour voir si cette relation peut vraiment aboutir à beaucoup plus de choses, comme par exemple de prendre un appartement ensemble ou simplement de s'arrêter là où vous vous trouvez actuellement. Troisième point important aussi pour comprendre les hommes et les femmes, c'est l'insécurité affective aussi. C'est que les hommes apprécient énormément être dans une relation qui soit stable, dans laquelle on sait que l'affection que va apporter la personne, chacun des deux membres de ce couple-là, soit réciproque et qu'elle le soit de manière vraiment sécure. Et très souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'on va mélanger parfois les sentiments que l'on a à une personne avec les faits d'armes que l'on rencontre dans la vie au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui va venir vous embêter ou embêter l'homme ou la femme que vous êtes. Et il va falloir stabiliser, chercher à stabiliser, donc travailler sur votre relation de confiance mutuelle pour permettre à votre couple de pouvoir durer durablement, ce qui est très très important. Quatrième point pour comprendre les hommes, c'est de chercher à comprendre, si c'est une thématique qui revient souvent, c'est comment sauver son couple. C'est une question auquel on se pose trop souvent que quand ça se passe mal, alors que pour sauver son couple, c'est au quotidien. Comment faire pour que son couple puisse durer le plus longtemps possible? En tout cas, c'est ce que l'on souhaite si on se sent épanoui. Et c'est toujours important de se poser cette question-là parce que parfois, on est un petit peu écœuré par le quotidien alors qu'on est déjà dans un bienfait de ce quotidien-là, même s'il est routinier, un bienfait qui est très positif pour nous. Et donc, ce serait dommage de le perdre. Donc, il ne faut pas mélanger le bienfait du quotidien et puis la routine que nous souhaiterions différente parce qu'on peut toujours... Il y a une nuance encore très importante entre les deux choses. Pour comprendre les hommes, il faut aussi, dans ce sixième point que je vais partager avec toi, ce cinquième point, pardon, considérer la relation de couple les uns avec les autres. C'est aussi comment j'aime une relation au quotidien avec quelqu'un et qui je la veux la plus longtemps, ou en tout cas la plus durable possible. Très souvent, l'erreur que l'on commet, c'est qu'on ne pense pas à une relation long terme de son couple, on pense à une relation court-termiste. Et donc, plus on va donner de la perspective, plus on va vouloir une relation qui permette d'avoir de la confiance, établir de la stabilité, établir de l'engagement, de la sécurité affective, comme on en parlait juste précédemment, tout ça va donner de l'impact, du rythme et va vous permettre de pouvoir avoir une relation de couple très puissante.
Pour comprendre les hommes, il faut aussi, en septième point, en sixième point, encore une fois, pardon, penser à la psychologie féminine. Quelles sont les attentes féminines en matière de relations homme-femme et quelles sont les attentes masculines, d'une certaine manière aussi, à court, moyen et long terme. Et ça, c'est très souvent des choses que l'on ne pense pas réfléchir et qu'il est vraiment extrêmement intéressant de creuser parce que ça vous permet de vraiment progresser de manière absolument extraordinaire. Septième point aussi, pour comprendre les hommes, c'est de comprendre aussi la dépendance affective dans laquelle ils peuvent être avec cette fameuse fixette qu'on a vu dans la partie séduction. Très souvent, les hommes vont avoir une fixette quand ils vont commencer à vouloir séduire ou qu'ils vont vouloir vraiment être en couple avec quelqu'un. Et parfois, ils y parviennent à être avec cette personne qu'ils ont chérie, qu'ils ont imaginée, qu'ils ont mis sur un piédestal. Et la difficulté, c'est que la personne qui est et qui se retrouve être la cible, en tout cas dans ce couple-là qui a été ciblé, va être en déséquilibre dans cette relation parce qu'elle ne va pas pouvoir nourrir les sentiments d'amour aussi rapidement, aussi de façon aussi équilibrée que l'autre personne. Et donc, ça va poser des problèmes dans la relation avec les hommes. Huitième point aussi, c'est le fait de ne pas vouloir s'engager. On a parlé de la peur de l'engagement, mais aussi la volonté de ne pas s'engager de quelqu'un. C'est quand en général on veut vouloir beaucoup trop précipiter les choses. Parfois certaines femmes veulent impérativement au bout de 2-3 mois commencer à faire venir le garçon chez elle, vivre définitivement avec elle, alors que le garçon n'est pas encore prêt à perdre sa liberté. Et donc il faut construire durablement encore une fois la relation et ne pas vouloir brûler tout le charbon de la locomotive alors que la locomotive doit rouler vraiment très longtemps et ne peut pas se permettre de ne pas avoir de charbon pour le temps du trajet qui va être nécessaire. Le sixième point pour comprendre les hommes aussi, c'est comprendre aussi le fameux silence radio. Beaucoup de personnes, beaucoup de relations naissantes souffrent de ce silence radio qui est pourtant extrêmement bénéfique pour permettre à chacun des membres d'un couple de réfléchir mutuellement sur ce qu'ils sont en train de vivre, de profiter de la transformation qu'ils vivent dans leur vie entre le monde de célibat et le monde en couple et de leur laisser le temps de respirer, de digérer, de comprendre comment ils voudraient donner une orientation à leur couple plutôt que si constamment vous échangez, etc., vous n'avez pas le temps de prendre du recul à savoir ce que vous souhaitez entreprendre l'un avec l'autre. Autre point important pour comprendre les hommes, c'est se développer personnellement. Si vous avez tous les deux une culture de développement personnel, de chercher à vous améliorer, à chercher à comprendre ce qui ne fonctionnait pas dans votre vie, plus vous aurez une relation qui sera durable et c'est extrêmement important pour apprendre à savoir comment trouver également l'amour. Autre point aussi important, le 12e point que je vais partager avec toi sur la compréhension des hommes, c'est aussi la compréhension de l'estime de soi. Quand on s'estime, quand on s'apprécie personnellement, on arrive encore plus à apprécier les autres et les autres arrivent encore plus à nous apprécier parce qu'ils voient qu'on prend soin de nous et que nous sommes une personne équilibrée. Et souvent aussi dans les couples, ce qu'on peut observer parfois, c'est qu'une personne va en fait vouloir impérativement être heureuse avec quelqu'un. Elle n'a pas réussi à être heureuse avec ses propres ingrédients personnels et c'est un vrai problème que tu ne dois pas avoir à tomber dans cette réflexion. Pour comprendre les hommes aussi, il faut comprendre les femmes puisque il est bon de chercher à comprendre le sexe opposé, mais il faut aussi se comprendre soi-même. Et comprendre les femmes est une étape extrêmement importante pour attirer un homme que l'on souhaite dans sa vie parce que c'est quelque chose de vraiment important. Autre chose aussi, on parlait en début de cette vidéo de psychologie féminine. La psychologie masculine que tu vas rencontrer dans les relations que tu vas faire est aussi très importante de considérer pour qu'une relation et une vie de couple puissent perdurer à court, moyen et long terme. Et aussi pour que tu puisses charmer un homme et faire tomber un homme amoureux très facilement, surtout si l'homme que tu rencontres est indécis dans sa manière d'être et qu'il te paraît quelqu'un de très difficile pour lui permettre de s'engager, de faire s'engager un homme avec toi, puisque c'est quelque chose que tu veux réellement. De manière générale, la peur de l'engagement est un virus, comme on peut le dire, de cette fameuse relation homme-femme. Et comprendre les hommes, c'est quelque chose qui est relativement simple quand tu passes dans le côté de laisser le temps au temps et que tu laisses le temps à ton couple de se générer, se créer pour qu'il puisse enfin être de bonne qualité. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à apprécier, partager ou commenter la vidéo dès maintenant. Et en attendant, je t'invite à découvrir les vidéos qui s'affichent ici ou sur les côtés pour aller beaucoup plus loin sur cette thématique. À très bientôt, bye bye.